Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe à essence sur une Renault Clio 2. Donc ici nous sommes sous le capot, la batterie est déconnectée, du moins le côté plus, la masse y est toujours. À l'intérieur, la clé, le contact est mis. Et donc on doit se retrouver ici. Donc vous avez ici la rampe d'injection avec tous les injecteurs qui sont juste après. Et vous avez ici l'arrivée d'essence. Donc une pompe à essence défectueuse ou un circuit bouché, ça ne sort pas. Donc vous allez voir tout de suite. Donc si vous voulez tester, mettez plein d'essuie-tout. Il suffit simplement de connecter légèrement la batterie. Faire attention parce que essence, électricité, c'est pas top top, mais voilà. Donc protéger l'ensemble et vous allez voir, l'essence va sortir. Voilà. Donc c'est à partir du moment où vous mettez le contact, la pompe à essence s'enclenche. Donc comme vous pouvez voir, directement sur le circuit, l'essence est arrivée. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit, il faut absolument mettre le contact. Vous déconnectez la batterie, vous mettez le contact. Vous ouvrez ici au préalable, vous voyez, vous avez une sorte de pince à défaire. Vous appuyez dessus et puis vous tirez sur la droite. L'essence va sortir ici. Donc déjà éponger une première fois. Et après, comme je vous ai dit, simplement celle ici qui vient de la boîte de fusible, vous la connectez sur le côté positif de la batterie. Et si, imaginons, la pompe à essence ne fonctionne pas correctement, ici, vous n'aurez pas d'essence. Et donc voilà.